La loi va obliger les territoires à s'organiser autrement. Nous avions vraiment envie de dire tout de suite avec qui nous souhaitions travailler. Et Roche-Cervière et Montaigu, nous avions envie de dire tout de suite, oui, nous voulons nous marier et travailler ensemble. On a regardé ensemble les compétences qu'avaient les deux communautés de communes et on s'est aperçu qu'elles étaient assez proches. Donc c'est aussi pour ça que nous avons souhaité commencer le travail dès maintenant pour envisager ce rapprochement, dans le cadre de la loi, bien sûr, qui nous l'impose, au moins nous, pour le territoire de Roche-Cervière.